Expert Nuisible, bonjour. Salut Dédé. Il paraît que t'es le nouveau super-héros d'État moderne à Toulouse. Ouais, c'est ce qui paraît, on dit ça. Écoute, tu vas pas prendre ma place à Toulouse. C'est moi, super Toulousain. Ok, je te laisse la place. Mais alors tu t'occuperas des frelons à pattes jaunes. Les frelons à pattes jaunes? Le frelon asiatique alors? Bon écoute, ben quoi, je vais te laisser la place. Je vais aller à Toulon. Comme ça, je serai super Toulonnais. Expert Nuisible, bonjour. Salut Dédé. Un petit message au président. On ne bougera pas des ronds-points tant que l'État ne remboursera pas les interventions de nids de frelons asiatiques. C'est un nuisible dangereux. Alors là, je suis complètement d'accord pour les gilets jaunes. Expert nuisible, bonjour. Alors là, les frelons, ils vont pas faire long feu. Expert nuisible, bonjour. Salut Dédé. Dis-moi, j'ai 3 mètres à faire ce soir et je suis vraiment pas en forme. Dis-moi, tu pourrais pas me passer tes petites boules magiques jaunes là, qui donnent plein de vitamines? Oui, j'en ai, oui, t'en veux. Allez, attrape. Ah, merci Dédé. Ah, ça va me faire du bien ça. Hein. Ah ouais, vraiment, ça va me faire du bien ça, je le sens déjà. Merci Dédé. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on va être sur un nid de frelons asiatiques, mais j'en suis pas sûr. On va voir ça. Apparemment, des gens seraient venus sur la toiture pour faire des travaux et seraient retrouvés avec plein de frelons. Donc, on va voir ça. Apparemment, ça serait sous les tuiles. Donc c'est cette maison là où il y a l'échelle. Donc, je m'habille et on va aller voir ça. Allez, c'est parti pour le combat. Monter sur cette toiture. Je sais pas si vous voyez ici, un peu plus haut là, il y a une petite ouverture où c'est pour aérer les combles. J'ai l'impression que ça sort de là, mais il n'y a pas une grosse activité, je trouve, à mon goût. Donc on va regarder ça. J'en vois un arriver, j'en vois deux. Ah, j'en ai vu deux arriver de là. Allez hop. À mon avis, dans un petit nid. Donc j'ai une petite pensée à Étienne. À mon avis, il y a un nid dessous. Moi qui te disais qu'à Toulouse, sous les tuiles, il n'y en a pas souvent. Ben là, j'ai une petite pensée à toi. Allez, bisous, Étienne. Ouais, et ça arrive. Ça arrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va voir si on voit quelque chose. Alors là, je vois rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. De détuiler. Moi, si on peut trouver quelque chose. Bon ben j'ai trouvé le nid. C'est bon. Allez, regardez-moi ça. Il est pas trop gros. Voilà, il est juste là. Dans la laine. Donc vous voyez, il y a du monde. Donc apparemment les ouvriers sont venus faire des travaux, ils sont montés sur la voiture et en marchant sur les tuiles, ils ont vu des frelons sortir, donc ils ont arrêté les travaux.
Donc je suis là ben, pour les DD. Et du coup, on va traiter ça et demain, ils vont pouvoir aller travailler. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu fais un bronzage? Un petit bronzage? Traité, je vous montre, avec du blanc. C'est fait exprès, c'est pour que ça se traite assez rapidement et que puis, demain matin, les ouvriers puissent le travailler. Vous voyez, une mini sous la table, dans la région toulousaine, c'est rare que je fasse ça. Donc, Étienne a raison. Je vous dis, c'est un peu de délai. Mm-hmm.